On repart avec la victoire, mais dans le contenu, je pense que c'était pas trop ça. Donc, ce sera à nous de bien nous reposer, de voir ce qu'on a mal fait durant cette deuxième mi-temps, ou même durant ce match-là. Et à tête reposée, bien sûr, et bien travailler la semaine déjà pour faire un bon résultat samedi en coupe, parce qu'on sait que ça va pas être facile. Et bien continuer à travailler pour le match de vendredi à Nancy. C'est sur des erreurs de notre part, surtout quand on voit qu'on mène 1-0 face à une équipe qui joue à 10. Donc on se devait d'être plus serein avec le ballon, les faire courir, comme les coachs nous avaient demandé. Mais quand on voit au bout de 10 minutes, on prend 2 buts, je trouve ça inadmissible de notre part. Il faut qu'on soit en action, pas en réaction, surtout à la maison. Et ça nous fait défaut à la maison, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à l'extérieur, on a des matchs très aboutis. Donc c'est vraiment à nous de faire attention, de faire des matchs plus sérieux et de ne pas laisser les équipes venir ici pour nous marquer des buts ou jouer au football. C'est une bonne affaire. Après, on verra à la trêve hivernale où on sera, mais c'est vraiment prendre les matchs comme ils viennent, et après on verra à la fin où on sera. Mais c'est vraiment de se rassurer sur notre football, surtout à domicile, parce qu'on n'a pas le droit de produire ce genre de prestations.